dit clairement que Cécile a exercé des violences la veille du décès. Des coups, pieds et y compris des coups au niveau de la tête. Il dit aussi qu'à son sens, il n'est pas médecin légiste, que ces violences ne sont pas la cause du décès. Que dites-vous au député UMP qui faisait la poule pendant qu'une députée Europe Écologie Les Verts était en train de parler d'une réforme importante, la réforme des retraites? C'est une maladresse de fin de soirée de la part d'un de nos députés. C'était pas un songe, ou alors le songe d'une nuit d'automne, un véritable scénario de conte de fées, des opérateurs qui commencent à payer dès l'ouverture jeudi. Je vais me diriger tout droit vers un obstacle qui est ici simulé sur la piste. Je vais rouler à 60 km/h, le véhicule va prendre la main pour l'éviter. I hope the guy is ready. Soudain, une violente bourrasque de vent surprend tout l'équipage. Tellement violente que le multicoque se retrouve perpendiculaire à l'océan. À cet instant, Jean-Pierre Dick est sur le pont. Il se retrouve à 8 mètres au-dessus de la mer. Le skipper chute et tombe à l'eau. Si la photo semble parfaite, l'image que renvoie l'équipe de France l'est beaucoup moins. C'est en tout cas ce que révèle une consultation auprès des internautes d'RMC Sport. 47% d'entre eux ne veulent tout simplement pas voir les Bleus à la prochaine Coupe du Monde. Oh, la vieille loi de 1906. Faut vraiment qu'elle change, cette vieille loi de 1906 sur la libération du travail le dimanche et en soirée. Alors déjà, vous êtes plus de 7000 à l'avoir signé, c'est adorable. Quand vous êtes entré au départ sur le PEA, ils étaient alors au tout départ de 0,5% et ils sont montés assez vite à 3,5%. C'est du vol. Pur et simple. Il y avait encore mais au-delà de ça, Nicolas, il y avait une marge de recette à faire là, alors on va la chercher. Putain, mais c'est un guet-apens. Oui, total.